Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Stop loitering and get inside. Et voilà. Arlene m'a donné l'autorisation d'entrée. Les gardes ne devraient plus me barrer la route. Ils ont mis accès au libre site de fouille. Donc je joue au jeu. Newcomer, talk to the professor. Et nouveau venu, allez d'abord vous adresser au professeur, c'est dommagé avec lunettes. Could you help me? I like you, friend, but I can't. Sympathie, l'ami, mais je peux pas. Use professeur. Peut-être là-dedans. Excuse me, just one question. You and I are the economic foundation of oui, this island. We should help each other, but I don't know what you are talking aider, about. Malheureusement, je ne sais pas. Je vais discuter avec le professeur. Bon. Swift lost his temper when he learned what happened. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Swift lost. La statue est endommagée. Swift lost his temper when he learned what happened. Salut Gwen. As-tu tombé? Ouvrir travail. Merde. Instrument oublié. Casse de lien. Pioche cassée. Ah, stigel. Swift lost his temper when. Bien, 4. Les ouvriers au fouet ont découvert une statue portant un casse en forme de lion. Elle se trouvait à l'origine sur un piédestal le plus proche de la plage, mais quelqu'un l'a fait basculer dès qu'il l'a brisé et a incliné le piédestal. Et tout le monde s'en fout. Il faut que je trouve un vieux avec des lunettes. On n'est pas loin de la dernière fois, là. Je me suis pas. J'avais pas joué depuis la dernière fois. Je me suis juste débloqué parce que j'avais réussi à trouver où aller. J'aime. Quand j'arrête de jouer à un jeu, j'aime que je suis pas bloqué. Could you help me? You and I are the economic foundation. Oui, moi, quand je suis la fondation économique de cette île, nous devons donc nous aider. Malheureusement, je ne sais pas quoi dire. Help me, please. I like you, friend, but I can't help you. Excuse me, just one question. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other, but I don't know what you are talking about. On est encore dans la même histoire de l'éléphant, putain.
J'ai pas joué depuis. Can you satisfy my curiosity? I like you, friend, but I can't help you. Oh, je trouve un homme à des lunettes. Who, what, and what, Sherry? Who are you asking about? What and dressed as what? Il est très près de la mer, quel rêve. Tu le dis. Professeur est peut-être. Je vais discuter avec le professeur avant de terminer la discussion dans les ruines antiques. Bon, professeur. Aussi. Non. Oh. Oui. Où est l'étincelle de la passion dans votre regard? Le sourire enjoué en plus cassé de cette empathie qui règne chez les nouveaux. Monsieur, vous devriez me croire, le feu de la passion brûle en moi. Je vais commencer le travail tout de suite. Ça me tient autant en cœur que vous. Ah, voilà que je voulais entendre. Je suis sur le point de faire une grande découverte. Vous avez entrevu M. Gilden? Quand avez-vous vu? Jeune homme, vous me décevez grandement. Je vois un futur brillant pour vous en tant que meilleur mineur de l'île. N'allez pas gâcher ça. Nous discutons quand vous aurez trouvé quelque chose d'utile. Comment avez-vous? Je ne vous entends aucune question. Allez trouver les réponses vous-même. Je ne suis pas un nounou, mais quelqu'un qui s'apprête à marquer le cours de l'histoire. Je suis prêt à travailler. Splendid. Do you know what I am working on? Et vous que je travaille? Archéologie. D'écologie, vous espérez trouver quelque chose d'inestimable qui marque le cours de l'histoire. Bravo, jeune homme, je n'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça. Nous sommes sur la recherche de tombe de Vitus Lemonius. Je vais vous aider, tel est mon objectif. Bien écouter avec attention, car je déteste me répéter. Appelez-moi Monsieur Swift. Nous avons trois règles ici. Ne touchez à rien, remettez toujours les outils à leur place et ne revenez pas me distraire à moins d'avoir trouvé quelque chose. Rien de bien compliqué. Êtes-vous le seul responsable? Oui, je suis le seul. Si vous entendez le contraire, c'est un mensonge. Les gens de votre genre ont du mal à comprendre qui donne les ordres ici. Prenez une minute pour mémoriser mon visage et je suis allé bosser. Je compte bien vous dévisager, oui, pour ne pas oublier mon supérieur. Je malgré la gêne. Minutieux. Salut, Denatera. Le bâtard, pourquoi il se touche plus que les autres? Tout ce fait un archéologue à la recherche de la tombe du Vitus Luminius en Corgona. Tout ce fait un vieux dépourvu de moyens de finances et des incapacités de prendre soin de lui-même. Il n'a même pas de quoi s'acheter des vêtements neufs. Il s'est lancé dans l'archéologie uniquement à la base de fins pécuniaires. Son partenariat avec Théodore Gilden n'était pas en réalité qu'une ruse destinée à lui soutirer. Il défend à son âge la seule chance qu'Arthur de devenir riche et de trouver la tombe du célèbre légat.
Je parie que cet homme vaut beaucoup d'argent, ce ne serait pas la raison de votre présence ici. Oui, jeune homme, comment la triplique vignette détourne votre attention? Vous n'êtes pas en mesure d'apprécier l'importance de mon travail ici. Et vous n'avez pas beaucoup d'argent ici. Si des vêtements usés, des blessures qui n'ont pas été correctement soignées, vous n'avez personne à vos côtés. Et le prix de la découverte, je dois m'entourner d'imbéciles comme vous qui ne cherchent qu'à remplir leur estomac en négligeant leur cerveau. C'est simplement une question. C'est que je suis curieux, vous savez. Ne mettez pas à la porte, monsieur. Et si vous cessez de poser des questions idiotes, je n'aurai pas à le faire. Alors, au boulot et tâchez de trouver quelque chose d'utile. Laisse-moi réchauffer mes vieux os ici. Cool. Arthur a pu se blesser en tombant sur le cabanon. Oh. Arthur Swift était peut-être sur la scène des crimes quand Théodore est mort. Sa blessure correspond au trou du cabanon. Paul Perk était peut-être sur la scène du crime quand Théodore Gideon est mort. Il est rechuté. Qui des deux était le meurtrier? Bon, investigation dans les ruines. Is this familiar to you? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Goodbye. Je vais pas me rendre jusqu'à eux, donc. May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Bon. Je peux oser faire, moi. Oh! Ça, c'est un gros zizoui. As-tu joué aujourd'hui, Gwen? Puis as-tu écouté, c'était quoi hier comme événement de lutte? Survivor Series? Le mois de novembre, il me semble, c'est Survivor Series. Hein? Fais-on-tu encore des équipes de 4 ou c'est plus la même chose? Can you satisfy my curiosity? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Il y a eu des équipes de 5, il y en a eu plusieurs. Je me rappelle à l'époque, là, c'était comme 4 contre 4. Puis, exemple, si ton équipe gagnait, puis il te restait 2 joueurs, ben, t'allais à la finale avec 2 joueurs, puis t'accumulais les bons contre les méchants. Tu pouvais être 6 contre 3 ou des choses comme ça. Tu
Can you satisfy my curiosity? I like you, friend, but I can't help you. Quite daunting to see how deep the dig is. Oh, ouais. Good. Quite daunting to see how deep the dig is. Shovel and dig. Vu que je creuse moi aussi, je fais une investigation. Can I ask you a question? I like you, friend, but I can't help. Ask for your assistance. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Je peux parler à ces deux destinations là. Hey, c'est quoi ça? Je peux pas me rendre jusqu'à eux. Pascal, le texte est encore lisible. Let's see if I remember my Latin. Ah, si je n'ai pas perdu mon latin. Si le texte traduit d'une inscription proche des quatre pédestaux, Vitus repose à proximité. Que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il protège. Elle est protégée par les regards de son frère et du vent d'automne. Un fossile pour la récolte, les Romains identifiés en auraient 16 ans. La déesse, une mère, l'épouse de quelqu'un. Quatre statues se trouvaient ici à l'origine. Je me demande à quoi ressemblaient les trois autres statues. Voici le texte traduit. J'ai trouvé une colline avec quatre piédestaux. Il ne reste qu'une seule statue représentant la femme tenant une fosse.
Ouais, ben. Pour ceux qu'il faut trouver chacune des. Hein. Des statues. Vivaient-ils dans les amphores? Il n'y a que sa perte de vue. Did the Romans live in amphoras? I see nothing else here. Is this familiar to you? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Take a shovel and dig. Dig, dig. Ah. A plan for this whole operation. Oh, on prend toute l'opération. This reminds me of my father. Je me rappelle la chambre de mon frère. De la ville de Corinthe, Lockhart Sir George Griffin a découvert la tombe bien préservée d'un légat romain, un général, Titus Lemonius, professeur de la légendaire lame jumelle de Romulus, qui lui aurait offert Augustus, Auguste lui-même, premier empereur de l'Empire romain. Lors d'un entretien exclusif, Sir George a décrit cette découverte comme étant un apport inestimable à l'histoire de l'humanité. L'entrée a été découverte en retirant plusieurs blocs de terre autour de la statue proéminente, ce qui m'a permis de révéler la tombe. Selon Sir George, les sculptures représentent la vie de Titus. Une statue de femme, a priori une mère tenant une vigne florale, regarde vers l'ouest. Une seconde statue, autre femme symbolisant. Peut-être l'automne tient une fossile en main et regarde vers l'est. Sir George suppose que ces statues ont vocation à servir d'allégorie, cachée de Zéphyr, dieu mineur du vent de l'ouest. Eurus, divinité incarnante du vent de l'est. Tout s'est formé un cercle avec les statues des deux frères, Titus et Vitus. Les espoirs de l'archéologue ont été salués par la couronne. This might prove useful. I'll note it down. Oh, c'est fun, ça me donne quoi là? Oh, là. Don't touch anything here. À rien. Get back to work. Not while he can see me. Attends qu'il me voit. Bon. Placer du dos. Moi, je suis posé me débarrasser de lui, moi. Titus et Vitus étaient les légats légendaires vivants au début de l'Empire romain. Leur commencement de carrière fut marqué par la répression des révoltes bélovaques et des allobroges. Puis ils furent des commandants clés du siège de Moderne et de la bataille d'Artium. À la proclamation de l'empereur Auguste, les frères reçurent deux épées jumelles qui auraient appartenu à Romulus et Rémus. Ils servirent comme légats pour conquérir les provinces dalmates et africains. Et étaient connus pour leur vénération de dieux mineurs.
Ils honoraient Eurus, tandis que son frère vénérait Zéphyr. Deux choses nous sont parvenues au sujet des frères, sinon la description de Pline. L'ancien Titus portait la fourrure d'un lion en revêtant sa gueule comme casque, une tradition qui avait gardé de sa proposition de signifier Titus avant lui, portait un bouclier assez large pour recouvrir le ciel, bien que les emplacements exacts de leur tombe restent inconnus. À ce jour, les historiens savent que Titus est mort au printemps en 10 après Jésus-Christ, tandis que Vitus est mort en automne en 12 après Jésus-Christ. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Straw dolls. Les poupées de paille, c'est un peu perturbant, mais efficace pour recréer des scènes. Oh, I want one of these. Or two. J'en veux une ou deux ou trois, ou ferme ta gueule, au pire. De la toile est cirée, elle est imperméable et ne se dégrade pas, il y en a assez pour coudre des tentes. Bon. Déjà lu ça. Bon. Lecture de recherche à Arthur Swift. Take a shovel and dig. Take a shovel and dig. Not while he can see me. Could you help me? I like you, friend, but I can't help you. Le monde flanc du Hall est désoccupé de tout l'archéologue. Est-ce que votre Laura vous manque, M. Swift? Missing your Laura, Mr. Swift? Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Qui me vient à l'esprit. Il faudrait en attraper trois, mais... pas vraiment nécessaire, selon moi. Ah! Ah, c'est lesquels selon les écritures, zut. Bon, on revient. Les ouvriers de la fouille, nanana, non, c'est pas ça, c'est ça. Près de la ville de Corinthe. Bon, selon Sir Joe, la sculpture représentant la vie de Titus est une statue de femme, a priori une mère, tenant une vigne florale, regardant vers l'ouest. Donc, elle est à l'est, ok. Donc. Non. Ça, ça va être compliqué, là. Ok, floral. Ok. C'est un homme, une femme, un tigre. Ok, l'est est par là. Ici, la femme avec la fauve. Non. Qu'est-ce que c'est plus comme...
Et j'ai pas de contrôle là-dessus. Et ça n'a pas rapport. On en recommence. Bon, ça vous fait mal déjà. Selon Sir John, la sculpture représentait la vie de Titus, une statue de femme a priori, une mère tenant une vigne florale. Regarde vers l'ouest. Ok, l'ouest c'est par là. Comme toi. Bon. Ensuite. Tenant une vigne florale, regarde vers l'ouest. Une seconde statue, une autre femme symbolisant peut-être l'automne, tient une fossile en main et regarde vers l'est. Et voilà, bon. Ensuite. Sir George, vocation de service national, caché Zephyr, dieu mineur du vent de l'ouest, les immunités des vents de l'est, tout ceci formant un cercle. Le vent. Alors, je suppose que des statues en vocation de service d'allégorie cachées à Zephyr, dieu mineur du vent, et l'autre divinité incarnant le vent. Mineur. Pourquoi tu serais un mineur? Toi. Regarde de nouveau. Où est-ce que les statues ont vocation à servir d'allégorie cachée? Bon. OK. Titus portait la fourrure d'un lion. Donc, Titus, une statue de... Non, fuck you, attends. Vitus, quant à lui, portait un bouclier. Bon, Vitus, c'est le bouclier. Mais qui honore qui? Est-ce qu'on dit plus haut? Non. Représenter la vie de Titus, une statue de femme. Sir George suppose que les statues en vocation. Envie de l'église cacher Zephyr, dieu mineur du vent, à l'ouest. Et si c'est qui, là? Titus, c'est qui? Trop loin. Bon, ici. Romulus, c'est Rémi, on n'a pas rapport. Titus. Vitus. Anus. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Putain.
Ouais, ben, gardez-le puis les placer. Ah, ben, non. Comme ça. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Yeah. Et voilà. On dirait que tout est en place. Voyons ce que ceci a à nous raconter. Investigation dans les ruines. Ils m'ont bien raconté. And dig. Not while he can see me. Is this familiar to you? I like you, friend, but I can't help you. Did the Romans live in amphoras? I see nothing else here. May I ask you something? I like you, friend, but I can't help you. Everyone's looking at us, Sharon. You sure you know? Can I ask you a question? I like you, friend, but I can't help you. J'ai fait ça pour rien ou quoi? Non, tu serais supposé savoir où est la maudite affaire. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Et le statut serait où, tabarnak? Okay, peut-être faut que je vois là-bas.
Can you satisfy my curiosity? No. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Vitus rests nearby. Beware the one who wishes to disrupt his sleep, for he is guarded by the gazes of his brother in the autumn wind. C'est bizarre. Voilà, votre trouvaille, Monsieur Swift. Regardez-moi ça. Hey, look at this. What have you found? Avez-vous découvert que personne ne touche quoi que ce soit sur place? Eureka, je l'ai trouvé, mon ami! Bon, donc moi j'ai trouvé. Non, pas là. Et voilà. Lui aussi n'avait. Boîte de fléchettes, un argument convaincant contre un adversaire. Étudie aussi les éléphants. Le très populaire ouvrage de trempe et de défense fournit une description scientifique détaillée et méthodologique. Il adopte une approche presque encyclopédique dans son analyse de la vie et celle des espèces en tant que captivité en liberté. Un chapitre très intéressant décrit la saison des amours d'un éléphant durant lequel les dernières deviennent particulièrement dangereux. De plus, le livre explique comment il est possible de communiquer et d'interagir avec les colosses. Le journal intime d'Arthur Swift y a décrit une minute de sa vie personnelle et ses recherches, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le passage sur la dispute qui a opposé l'archéologue à Theodore Yelden au sujet des sites de fouilles. Jour 1224, Theodore use de ses richesses pour éteindre les plaintes. J'aurais préféré qu'il s'achète un cerveau ou synapse plus efficace pour qu'il ait enfin un esprit plus large. Le monde se tourne autour de son satané éléphant et il ne me reste plus que quelques mois avant le début de ses travaux de construction. Il lui manque même l'imagination nécessaire pour en faire quelque chose de sublime. Les bains d'ivoire, quelle banalité, il me faut trouver une solution pour empêcher l'ensevelissement irrémédiable d'un trésor historique pour des morceaux d'incompétence. Des conséquences. Skyway, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir de t'en faire. Oh, yeah! Je connaissais un Skyway à l'époque. Hey, what do you think you're doing? Oh. Vous essayez de voler mes résultats, c'est ça? Je viens chercher mon journal et je vous retrouve le nez dans mes affaires. Expliquez-vous. Monsieur Swift, si j'ai cherché à vous voler, ce serait déjà parti depuis longtemps. Je m'appelle Sherlock Holmes. En fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. Vous m'avez trompé, c'est scandaleux. Quelle est la raison de votre présence ici? Vous envoyez Monsieur Holmes. Qui vous a envoyé? La mort prématurée de Theodore Gilden qui m'a envoyé ici. Theodore est mort, comment est-ce possible? Il n'existe aucune possibilité, passe en revue toutes les personnes qui auraient pu être impliquées, même son éléphant. La fouille appartient à M. Gilden, n'est-ce pas? Serait-ce une accusation? Ne serait rien caché? Vous pouvez me demander tout ce que vous avez en tête. Prenez ça comme une gage de mon respect des clients envers vous. Excellent, M. Swift. J'apprécie votre coopération. Mettez-vous aussi sur Mixer un peu, me semble. Êtes-vous sur le site de fouilles ce matin? Affirmative. Ce projet m'occupe considérablement, comme vous pouvez le voir. Je passe de plus de mon temps sous terre qu'à la surface. Quand avez-vous appris la mort de Gilden? À ce moment précis, vous venez de m'en informer. Vous n'êtes pas surprise ni choquée, inutile de retenir vos larmes. Je suis discret, n'étiez-vous pas partenaire après tout? Nous l'étions, et sa mort est tragique, mais j'ai assisté à trop de décès dans ma vie, monsieur Holmes. Vous me. Toutes ces nouvelles m'ébranlent vraiment. Vous allez
dernier contact à M. Gildan. Avez-vous vu M. Gildan pour la dernière fois? Il y a quelques jours, nous avons parlé du site des fois en cette tombe et de secrets. La patience de Théodore commençait cependant à atteindre ses limites. Il commençait déjà à inventer de nouveaux projets. La discussion n'a pas duré longtemps. Je suppose que sa fille héritera de tous ses projets et des finances, ainsi que de ses excentricités et d'autres problèmes, et sans oublier Goliath. J'ai déjà mentionné les excentricités et les problèmes, monsieur Holmes. C'est en est fait partie. Comptez-vous me mettre retourner mes recherches, ou voulez-vous persister à un obstacle? Non, je vais transférer ici pour le plaisir. Pour nous des preuves, partir. Bon, on va vérifier qu'est-ce qu'il dit. Avez-vous déjà vu personnellement qui se tient à côté d'Imogen Gildan? Non, mais il est Imogen. Je suppose que ses amis, cette jeune fille a toujours eu la tête dans les nuages. J'aimerais pouvoir dire que Théodore était différent, mais ça ne serait pas complètement vrai. Diriez-vous qu'il poursuivait ses chimères? Et on pourrait dire ça, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas grand-chose de la vie d'Imogen ou de ses amis. Ils en font partie de ce type d'élite qui prétend être éduqué. Et ce projet a été créé des dissensions entre la relation professionnelle entre vous? Non, pas du tout. Nous n'apportons pas la même vision sur ce qui était important le plus, le passé ou l'avenir. Selon moi, il est impossible de bâtir un avenir sans connaître le passé. Vous cherchez donc à préserver la tombe de Vitus, ou plutôt votre contrôle sur les fouilles? Je ne cherche qu'à sauvegarder un savoir qui revient de droit à l'humanité, ni plus ni moins. Hey, merci pour le... Bienvenue à la tribu du Caribou Canadien Skyweeks. Oh, yeah. Passons à autre chose. Vous souvenez de vos règles? Il semble que vous n'ayez pas remis un outil à sa place. Est-ce que le couteau vous appartient? Ai-je l'air de quelqu'un qui porte un couteau sur lui? J'en ai pas besoin. Et puis, vous en servirez à bien des choses sur ce site, et d'ailleurs... D'autres gens coupent des corps pour moi, Monsieur Holmes. Un couteau qui a été retrouvé. Votre partenaire aborait une attitude très spécifique envers les choses qui lui étaient chères. Est-ce habituel chez lui? Une telle réaction aurait été un peu trop forte pour lui. Ne vous imprenez pas, il avait un fort caractère. Comme tous les entrepreneurs qui se respectent, il était prêt à réduire ses concurrents en poussière. Mais menacer quelqu'un physiquement aurait été surprenant, même venant de lui, n'est-ce pas? Tout à fait. De plus, je ne pense pas déjà l'avoir vu en colère. La personne qui a reçu cette lettre a dû être extrêmement armée. L'éléphant de Gildan a un ajout fort inhabituel à la faune des cordillères. Quelle est votre opinion scientifique là-dessus? Peu importe l'affection que lui portait Théodore, ça restait un animal sauvage enfermé entre quatre murs de pierre. Goliath a besoin de savanes et terrains ouverts à de lacs. Je suis sûr que Goliath n'avait pas pour projet de tuer son propriétaire pour retourner à la savane. Qu'en pensez-vous? Non, aucune logique de ce genre ne pourrait pousser un animal à tuer. Ce que je peux supposer, qu'il ait essayé de protéger la captivité de Théodore. Il s'agissait d'une cage dorée qui était vouée à se briser. Vous avez visiblement un membre de la communauté académique. Ce livre sur les tribulations de Nab et leur voyant. Comment cette niaiserie sans nom? Je préférais encore perdre la vue, lire quelque chose avec plus de substance. Vous ne savez rien à ce sujet? Non, je ne sais rien et j'aurais aimé ne jamais avoir entendu parler de cette caricature de la science. Sentirais-je un point de jalousie? Vous avez encore le temps de trouver votre propre Laura, vous savez. Je suis certain jaloux de Nab, car lui est libre de faire exploser les gens qu'il distrait, c'est tout. Vous êtes satisfait, magnifique. Moving on. D'où vient cette procédure de recrutement si complexe? Les ouvriers favorables aux Britanniques sont-ils moins chers?
En tant que chef des organisations, je dois assurer un environnement de travail productif. Ce serait irréalisable en présence de sensibilités politiques, surtout au Cordona, où les autochtones n'approuvent guère nos projets visant à trouver d'antiques artefacts à bon salaire. Peut aussi bien stimuler les environnements productifs tout en encourageant les ouvriers à éviter le débat politique. N'y avez-vous pas pensé? Vous êtes jeune, vous avez du temps à perdre et pour vous, tout le monde est un adversaire. Je n'ai pas ce luxe. Nos ouvriers reçoivent une paix décente pour ce qu'ils font. N'essayez pas de lancer des discussions sur un sujet dont vous ne connaissez rien. Ah bah, c'est rapide. Avez-vous la fibre nostalgique ou plutôt le tirez-vous profit pour noter une liste d'ennemis? Jeune homme, vous semblez singulièrement manquer de sens moral. Libre le journal d'autrui est un acte grave dans toutes les cultures que je connais. Vous éludiquez ma question, vous l'avez déjà lu. Alors à quoi bon y répondre? Je mets ma vie par écrit pour éviter de cambrer les mémoires de souvenirs biaisés. Les lettres et les pages ne me manquent pas. Mais la personne qui écrit le texte. À quoi ça sert la boîte de fléchettes? Est-ce une démonstration scientifique? Pour ces raisons un peu plus macabres que cela, elles servent plutôt à tuer les rongeurs qui viennent pour taquiner le nez ou les orteils pendant votre sommeil. Admettons que je dois me protéger d'un animal plus grand que la taille d'un éléphant, par exemple. Est-ce que ce serait suffisant pour l'arrêter ou pour qu'il s'évanouisse? Si j'étais vous, je ne compterais pas là-dessus. Vos insinuations sont déplacées, Goliath. Il est un animal effrayant. Mon seul souhait était de mieux comprendre cette créature. Comme tout un scientifique, j'ai mené des études, j'ai procédé à des analyses et je n'ai tiré que des conclusions. Et quelles sont-elles? Théodore Gilden lui a rendu la vie misérable. Il n'était pas capable de fournir un environnement adéquat pour son animal domestique. Mon intérêt pour le sujet s'arrêtait là. Preuve, clé obtenue. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme. Le lien est dangereux, mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je dois l'attirer en tirant profit de son désir. Carnet d'affaires. Chaque parfum contenant une substance transparente et qui porte une gravure en forme de tête d'éléphant sur le côté. Le doc s'en dégage est tout bonnement atroce. Quelle que soit la substance, elle est indubitable. Le manque d'origine animale connaissant les excentricités de M. Gilden, je ne sais pas à quoi quand il y a de la sueur d'éléphant. Ça aurait pu être pire. Cette concoction à l'odeur âcre pourrait constituer une excellente source de phéromones. Je vais faire ça au moins. Faire glisser deux réactifs. XX. Faire glisser une opération. Ok. Faire glisser les réactifs. Lier les réactifs à une opération. Faire glisser une opération. Non, faire glisser une opération. Lier les réactifs à une opération. Combiner les résultats pour suivre la formule. Et je compare. J'attends. Non, j'ai aucune.
Et ça, ça mêle. Ah, ok. Là. 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 Et non, c'est là, je viens de comprendre comment ça marche, puis... Qu'est-ce que je suis supposé faire, moi? Donc, on met une 2 réactive. La valeur des réactifs positifs négatifs. L'incrément augmente la valeur du... Réduit la valeur du réactif. Et les valeurs du réactif 2. Diviser la valeur du réactif par... Hey, j'ai de l'air d'un scientifique, moi, quand on lit ce site, non? Et c'est cool. C'est supposé donner 0 à la fin ou quoi? Ah, oh, moi, oh, je veux trouver ça. Non, ça marche pas si je fais ça. Oh, ok. Moins 2 ici. Je vois un peu le principe, là, mais... Je pense qu'on prend... Hey, tu peux pas mettre une potion dans le manipulateur chimique. Fais-tu encore du Fortnite? Fais-le. Ça fait longtemps que non. Ici. Là. 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 On sait rien comme ça. Et si je fais ça, là. C'est-tu pas ça? Et là, je vais avec ça jusqu'à là. Je l'ai! Je l'ai, esti! Je l'ai! Je sais, je suis un être supérieur. J'ai extrait les phénomènes du liquide. Ben oui, je sais, parce que tu es un être supérieur, Caribou.
extraire les phénomènes qui importent, qui m'aideront à attirer l'éléphant. Même que ce soit avec ça, tu vois. De la pète. Tu vois, si tu m'aimes tout, tu sais même pas comment j'ai fait. C'est pour ça que tu dis ça. Ben ouais, mais je comprenais même pas le principe de la fonctionnement du processus. Ça m'a pris du temps à comprendre le processus après ça. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Deux preuves mises à jour. De récupérer l'éléphant. On prend une petite pause deux minutes. C'était tout pour l'aventure du jeu Sherlock Holmes live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!